Agatha, bonjour, merci de nous recevoir dans votre boutique et votre très colorée. Moi, je voulais vous demander ce qui vous avait donné envie d'être styliste, de faire de la création. Moi, quand j'étais petite, je voulais être peintre. Mm-hmm. Mon père avait une collection d'art contemporain. Et j'étais toujours en classe en train de dessiner. Les samedis, je prenais des cours spéciaux de dessin. Mais un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait la possibilité de faire de la mode. Et un autre jour, je vis comment on pouvait mélanger la mode et l'art. Et alors, et comment vous êtes arrivé de la mode à faire de la déco, de la papeterie? Et alors, quand mon père est un architecte. Et j'ai toujours beaucoup vécu dans les dessins. Je me rappelle une fois ici à Paris qu'il y a eu la grosse exposition qui s'appelait Les Années Pop. Mm-hmm. Il y avait tout, il y avait des lampes, il y avait des objets, des tables, et moi, pas tout, mais beaucoup de ces choses-là étaient chez moi quand j'étais petite, parce que c'était l'époque, non? Alors, dans l'histoire des architectes, moi je suis une architecte manquée. Donc. Et parlez-nous un petit peu de votre évolution justement par rapport à vos débuts, qu'est-ce qui a changé et comment est votre nouvelle collection actuellement? Moi j'ai toujours beaucoup aimé ce qui est l'avant-garde, c'est ce qui m'intéresse moi, je trouve que ce qui est la chose la meilleure du monde, c'est être à l'avant-garde de ton époque. Ma première époque était une époque très difficile pour le public à comprendre parce que je faisais des choses pour les gens impossibles à mettre. Pour moi je les mettais, mais pour les gens c'était impossible à mettre. Ils disaient que j'étais un peu folle et que je n'allais jamais vendre rien. Mais à un moment donné, il y a eu le Corte Inglés, qui est en Espagne, tout. C'est l'équivalent de Guerrero Lafayette. Alors, avec Sonnet, je commençais, je ne sais pas comment, à devenir, une chose que je n'avais jamais pensé, très commerciale. Et ça a commencé par les enfants. Parce que quand je faisais mes collections de femmes, tout le monde avait beaucoup de peur de tout ce que je faisais. Mais à mon, les collections d'enfants ont eu un succès parce que aussi ils avaient un très bon prix et immédiatement ils ont eu un gros succès. Et alors on a commencé à vendre et en même temps on a commencé avec les parfums, avec le linge de maison, avec les chaussettes, avec la papeterie. Et ça a été comme une espèce de boom que, pour vous dire la vérité, je n'ai jamais attendu d'avoir un tel boom, non?